vous allez bien. On se retrouve pour le jour 2 de ma semaine de vidéo de tag, toujours en présence de Sixtine de la chaîne Cavalgrena. Et pour ce deuxième tag, nous allons deviner le prix d'article d'équitation. Alors je ne sais pas si ce tag a déjà été créé, mais je sais que dans les autres chaînes YouTube humoristiques, etc., ça a déjà été fait. Du coup, j'ai trouvé ça sympa de convertir ça en mode équitation. Donc le but est très simple, chacune de notre côté, nous avons choisi des articles d'équitation où nous allons cacher le prix. Et le but de l'autre, c'est deviner au plus juste le prix de l'article. Donc vu que certains articles peuvent être avec des centimes, on s'est donné une marge entre chaque prix, le vrai prix exact. Donc on a une marge de 10€ en dessous, au dessus, pour vraiment se dire, sinon c'est pas possible de deviner exactement le prix de l'article. Et sinon nous avons deux chances: si je donne un premier prix et que c'est très loin du prix exact, elle me dira plus ou moins, et au bout de la troisième tentative, du coup si j'ai juste ou pas, je le saurai juste après vu qu'elle va me donner le prix exact. Je ne sais pas si on a compris ou pas. Si on va dire, c'est bon. En voyant. Voilà. Sachant que nous deux, on s'y connaît pas du tout en équipement, etc., en marque. Enfin, moi personnellement, j'achète pas du tout de matos équestre. Voilà, n'étant pas propriétaire et ne montant pas à l'année. Et même moi, vu que moi j'ai que des mini, bah je suis plus type marque mini, mais encore, il y en a pas énormément. Du coup, bah, on va pouvoir commencer. C'est parti! C'est Sixtine qui va me présenter le premier article et moi je vais essayer de deviner le prix. Alors, du coup, je vais cacher le prix parce que pour la première, j'ai pas recadré. On vous mettra une photo ici de l'article. Ok, donc c'est une quoi, une couverture polaire? Alors, c'est une chemise polaire suprême. Suprême. Et ça vient de chez Kramer. De chez Kramer. Sachant que les chemises de base, c'est moins cher que les couvertures. De ce que je peux voir généralement quand moi-même je cherche, je dirais 70€. Plus. Plus. 90. Plus. Oh putain, mais elle est à combien cette La troisième fois, c'est 200. Ouais, putain, 199. Oh Enfant, Bibi. Ouais, bah c'est 199 cette chemise-là, ouais. Oh vache, elle est chère. Alors, mon premier article, c'est un casque Harris Horse, qui est vendu, Harris Horse, et c'est vendu chez Esprit Equitation. Ça ressemble à ça. Putain, les bombes, je sais même pas combien ça coûte. C'est très varié les prix. Il y a tous les prix. Ouais, bah ça... allez, 50. Plus. 100. Moins. 80. Bien, 80€, 84 exactement. Putain, 80 balles la bombe, mais putain, ça protège bien. On est trop fort. Alors, un point chacun pour l'instant. Là, ça vient de chez Pad, et c'est ça. Une longe, enfin des longes, une longe, nylon plat. Nylon plat. Oh, ça doit coûter 10€. Moins. 7. Moins. Ah bon? Elles sont en promo, wesh! Non, mais bah, elles sont en promo sur ce que j'ai screené, mais c'est pas une grosse diff, et c'est encore moins. Les deux produits, enfin les deux prix... 3€? On peut te l'accorder, je pense, c'est 2,90, bah oui, 2,90 hors solde et 2,61 solde. Ouais, donc c'est bon, je suis bah bonne, ouais, hein. C'est bon, ouais. Putain, je pensais pas que c'était... C'est pas cher. Bah ouais, c'est... Ouais. Oh, je vais me les acheter. Sur Pad, les amis français. Ah bah, je sais pas, ils y étaient pas quand j'étais... Ils les vendent que sur le site internet. Peut-être. Ensuite, moi, je vais te présenter le Sulky Excellence vendu chez Minior Shop. Ah, j'ai aucune idée de combien ça peut coûter, ces trucs-là. Bon, on va partir sur du 200. Plus. 500. Plus. T'as un dernier choix, là. En même temps, je déconne avec mon sang, ça peut pas coûter 100 balles. 1000. C'était 1299€. Putain, t'étais loin quand même là, il n'y a pas de 10€. En même temps, 100, je déconne de ouf. D'où ça coûte 100 balles ce genre de bail? 100€. Et encore, si tu te trouves en occasion, tu les trouves pas forcément à 100 balles, les Sulky. Donc 0 point pour cet article-là. Donc c'est toujours un point et moi... Ensuite, chez Decathlon. Ouais, Decathlon. Là, en soi, c'est plus simple parce que c'est vrai que bah, les prix c'est la base. C'est la base, donc. Du coup, ça, c'est un
Oh, mon kit de pansage de base. Oh, c'est dans les 35. Moins. Moins. Ouais. 25. Ouais, 24,99€. Non, faire un facile, je voulais être sympa et tout. Moi, j'ai pas été gentille. Ouais, du ouf. Dégoûté. Ça fait 3 points pour moi. Pour moi, ça c'est. Mais attends, j'arrête pas d'acheter que des brosses, moi, avec mes poneys, donc je commence à connaître les prix. Troisième article que je vais lui présenter, c'est un caveçon de la marque FFA, vendu pour les mini Shetland chevaux miniatures chez New York Shop. Oh my god, il est en quoi? Il est en cuir. Mais si tu regardes mes vidéos, dans ma wishlist, j'en avais parlé en indiquant mon prix. Non, je l'avais indiqué. Les wishlists, tu sais trop, je regarde pas les wishlists. Bah, je l'avais indiqué. Oh, j'avais indiqué le prix du caleçon. Alors, comme c'est du cuir, ça va forcément coûter. Je crois, normalement, plus cher. C'est, normalement, c'est du cuir. Ça a l'air d'être du cuir. Bah, ça va forcément être plus cher. Ok, on va partir sur du 50. Plus. 80. Plus 100. 99€. Bon, voilà, c'est gagné pour Bibi. Ça fait 2 points et 3 points. Putain, 100 balles le Lico, ils ont pas dit. Un caleçon. Oui, un caleçon. Ça, c'est pour ça que je l'ai toujours pas acheté. Ah, tu m'étonnes. Je peux pas faire un mètre. Du coup, c'est l'avant-dernier article pour chacune. Donc, on va commencer. Donc là, c'est Equestra. Je connaissais pas du tout perso. Equestra. Ouais. Donc, c'est ce tapis. Qui est gris métallisé. Oh, il est un peu brillant le truc là. Ouais. Oh, et Equestra, je crois que c'est assez cher. Je dirais. C'est un tapis de sel matelassé métallique. Métallique. 60. Moins. Moins. 45. Un peu plus. 50. 47,95. Ah, je suis. Non, tu l'as pas. Oh, on avait dit une marge de 10, hein. Mais dans ce cas-là, j'ai eu celui de tout à l'heure. Ouais, bah du coup on n'est pas une marche, il faut vraiment être à quelques centimes d'écart, on va dire. Bon, du coup je ne prends pas le point. Du coup on est à 2 et 3. Pour mon quatrième article à moi, il s'agit d'un Lincoln de présentation qui se nomme Showtime Tank Carter et qui est conçu pour les mini Shetland des chevaux miniatures sur Miniature Shop. Et était-il dans ta wishlist également? Non, il n'était pas. Est-ce qu'il est en cuir? Il est en cuir avec d'autres décors un peu métalliques. Il est vraiment magnifique. Si je pouvais l'acheter, je l'aurais acheté. 100. Plus. 200. 210. Mais on va pas le compter. Parce que pour le tapis. Ah oui, oui, parce que moi elle m'a jarté. T'as 3€ près quoi. Mais écoute, c'est les règles. Nous okay, les suivons. Donc nous sommes à 2 et on reste 3. 2 ou 3. Ok. Du coup, les derniers articles à deviner. Ok, alors du coup, moi j'ai tapé dans du lourd. C'est un article qui vient d'Hermès. Donc, c'est une scène de dressage Hermès Arpège. Ah, elle a pris une scène aussi. Et du coup, alors attention, développé en collaboration avec les cavaliers partenaires, blablabla. Mmh. Quel est le juste prix? C'est ma coupe. 1500. 2500. 4000. 6500. 6500€. J'espère que tu gagnes toutes tes compétitions quand tu as une salle comme ça parce que. Oh vache! Ouais. 6500. Ouais. J'ai tapé dans l'eau. Et du coup, bah, moi il s'agit également d'une selle, mais la marque je connaissais pas du tout. C'est en farfouillant sur internet que je suis tombée sur le site. Il y a du bleu dessus. Oui, c'est du velours. Toujours plus. Donc c'est une selle American Pro Mix. Ok, donc 2000. Moins. 1500. Ouais, toi elle a trouvé. Mais je trouve ça déjà hyper cher pour une selle quoi. Bah je sais pas, 1500 je crois pas. Je crois que c'est dans la norme à peu près, hein, 1500 pour une bonne selle. Bon, minimum du minimum c'est 500, mais c'est pas ouf. Et bah du coup nous sommes à 3-3. Nous sommes Elfelcrow. Et je trouve qu'on l'a très très bien géré pour des gens qui ne connaissent rien et qui ne connaissent pas de marque ou quoi. Pourtant, que ce soit. Pourtant c'est pas évident de deviner des prix quoi. C'est surtout qu'on sait pas mieux apprendre les prix les plus bas. On sauce de ouf. Non mais en vrai non, on a bien géré. On a bien géré, bravo.
Vraiment. On adore. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez bien évidemment reprendre le tag si vous le souhaitez. Le but c'est que tout le monde s'amuse et je trouve ça super intéressant de pouvoir deviner les prix. Au moins ça nous fait réfléchir sur la valeur même que le commerce quoi, il commence à monter à assez cher quoi. Une selle 1500 balles quoi, limite 6500. Ah oui, pardon, 6500 limite, le cheval il coûte plus cher que la selle donc. Mais du coup, mais non mais mais bon, c'est super marrant, j'espère qu'elle vous aura plu. Et sinon, bah, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. On vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à demain. Tchou. Bye bye.